acheter pour moi. Okay. Même si Alexis t'a dit de toucher à ça, tu peux pas. Ah. Fait que là, il était comment avant qu'Alexis te dise de toucher à quelque chose? Il était comme ça, en haut. Un en haut, un ouais. en bas. Ouais. Là, celui-là en haut, tu sors en ligne. Comme ça, c'est supposé être. C'est ça, ça veut dire. Parce que tantôt, là, c'est sûr que vous n'entendiez pas, vous n'étiez pas live. Là, on entend. On entend là?
Un test, un, deux. Test. Test.
Alors, bienvenue, mesdames et messieurs, en direct du stade Louis-Philippe Gaucher. Nous sommes prêts pour le début de la rencontre entre les lauréats du cégep de Saint-Hyacinthe et les patriotes du cégep Saint-Laurent. Dans les buts, pour les lauréats, c'est Esteban Gauthier qui obtiendra son 6e départ de la saison. Et c'est Samuel Lamarche qui, lui, pour la 7e rencontre de la saison, aura la tâche là, de garder les buts des patriotes. Du côté des lauréats, on envoie le trio de Nathan Rhodes pour entamer cette partie. Alors voilà, les joueurs se présentent au cercle des mises en jeu. Nous sommes prêts. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite un excellent match. Et c'est Nathan Rhodes qui remporte cette mise en jeu inaugurale. Voilà, Mathis Serré avec la rondelle qui remet à Mika Jean. Jean avec de la vitesse, pénètre la zone des Patriotes. C'est lui dans le coin, repousse plus loin. Ça va retrouver Cédric Cuevas-Bellil. Mise en échec dans le coin. Finalement, ce sont les Patriotes qui reprennent le contrôle de la rondelle. Les voici en contre-attaque. Passe derrière, le tir, c'est bloqué. En défensive, c'est Jean qui reprend. Lob de Jean, ça frappe la bande. Et ensuite, le dégagement de Rhodes qui est bloqué à la ligne bleue. Finalement, la rondelle quitte le territoire. Et ce sont les Patriotes qui reviennent à l'attaque. Un tir encore bloqué en défensive par les lauréats. C'est Latour qui par la rondelle. Ouellet tente une passe. Les deux équipes qui peinent à conserver le 10. Finalement, c'est Rhodes qui réussit une feinte. En tente une deuxième, mais son chemin est bloqué. Et enfin, un dégagement des Patriotes. Alors, un rythme de jeu assez décousu jusqu'à présent. Les deux équipes qui peinent à conserver le disque. Et enfin, là, on calme un peu le jeu avec Xavier Lagacé-Tessier qui est derrière son propre filet. La passe à Breton. Et il est gêné par Chartrand. Finalement, il réussit la passe à Blanchette. Ça revient à Breton. Et on va revenir finalement à Lagacé-Tessier. La passe à Beaupré. Tente une feinte, c'est raté. Et Breton doit travailler sous pression. Là, c'est Duluth qui était avec lui. Beaupré tente un dégagement qui ne sera pas refusé. C'est Warren qui reprend. La chute derrière le filet, c'est repris par Blanchette. Passe devant le filet, mais Cuevas-Bellil ne pouvait tirer. Voici Gagnon. Mise en échec de Blanchette et ça permet à Cuevas-Bellil de dégager le territoire. Et les Patriotes renvoient cette rondelle dans le coin. Et c'est Breton qui reprend. Breton pour Lagacé-Tessier. Remet à Morin-Hébert. Au centre, c'est pour Auger. Auger tente de pousser plus loin, mais en est incapable. Bon travail défensif de Rousseau. Tente une passe pour Morin-Hébert. Ça l'a frappé un joueur des Patriotes. Et on juge qu'il a eu hors-jeu sur la séquence. On va donc reprendre en zone neutre. Carruthers face à Trépanier au cercle des mises en jeu. Et c'est remporté par Trépanier. Alors les Patriotes qui dégagent un territoire. La passe au centre, c'est pour Lefebvre. Lefebvre recule à son défenseur. La passe était pour Carruthers, mais Trépanier a fait dévier. C'est repris par Chicoine. Aidé par Rousseau, la passe, ça revient à Rousseau ensuite. Il va falloir faire attention, là, les Patriotes ils appliquent beaucoup de pression. Bon travail de Morin-Hébert et de Trépanier là, pour tenter de causer un revirement, mais c'est raté. Le dégagement des Patriotes ensuite. Et voilà Rousseau maintenant avec la rondelle. Ça revient à Morin-Hébert qui laisse pour Guénette. Guénette accélère, la passe au centre, c'est pour Chicoine. Chicoine le tire, l'arrêt de la marche. Bonne chance de marquer pour les lauréats en début de match. Alors qu'on se bat pour le contrôle de la rondelle dans le coin, c'est Verville qui tente un tir et suite au rebond là, de la rondelle sur la jambière du gardien, on doit revenir en territoire défensif pour les lauréats. Voilà, Cyr avec la rondelle, la passe pour Guénette. Guénette se contente de diriger cette rondelle jusque derrière le filet de la marche qui dégage, ça revient à Guénette. Qui repousse plus loin. La passe, c'est pour Ashby. Ashby protège sa rondelle. Tente de remettre pour Verville, mais c'est raté. Mise en échec de Ashby, mais ça n'empêche pas les Patriotes là, de tenter une sortie de zone. Mais voilà, c'est réussi. Et les voici maintenant en attaque.
Le tir, c'est bloqué en défensive par Cyr et c'est repris par Jean. Jean tente un dégagement, c'est réussi et ça retrouve Verville. La passe à Rhodes qui revient à son défenseur Cyr. Cyr sous pression est forcé de remettre cette rondelle en zone neutre. La passe au centre, c'est Steve Valletta. Tente une feinte, le tir du revers s'est raté, c'est Lagacetessi qui l'a gêné. On se bat toujours pour le contrôle, voici la tour maintenant. La tour, son tir arrêté par Gauthier qui force l'arrêt de jeu. Et suite à deux défaites consécutives à l'extérieur, les Lorrains qui vont tenter là, de retrouver la victoire à domicile face à une équipe là, qui se trouve tout juste derrière eux au classement général. Et immédiatement, les Lorrains, suite à cette mise en jeu gagnée, quittent leur territoire. C'est Ouellet qui vient gêner Warren. Il est aidé par Cuevas Bellil. Ensuite, Rhodes. Finalement, c'est Cuevas Bellil qui réussit à diriger cette rondelle dans le coin. La tour tente de remettre pour son coéquipier, mais c'est raté. Et on revient dans le coin. Et revirement ici, c'est la question ici. Le tir dévié devant le filet par Cuevas Bellil. Passe devant le filet. Un tir de Rhodes. Et c'est raté. Et les Patriotes qui ont peine à quitter leur territoire. Encore une fois, c'est passé bien près d'un autre revirement. C'est la tour avec la rondelle. Mise en échec de Rhodes. Et ensuite, un dégagement des Patriotes. Et Breton doit faire vite. C'est la tour qui est le premier même sur la rondelle. Mais Cuevas Bellil reprend. Vous savez, Cuevas Bellil la passe à Kevin André Blanchette. Il est le seul Lorrain présentement face à deux défenseurs et incapable d'en déjouer un. C'est Cunningham. Et ensuite, dégagement des Patriotes. Ça rejoint Gauthier derrière son filet, qui à son tour tente un dégagement et ça va être réussi. Mais sera-t-il refusé? Oui, on entend le sifflet de l'arbitre. Alors on va revenir chez les Lorrains, le dégagement de Gauthier, qui était un peu trop puissant. Mise en jeu rapportée par Xavier Cuevas Bellil. C'est Roulet qui immédiatement saute sur la rondelle. C'est ensuite Gagnon derrière le filet. Travail du revers. Remet à Bember, mais c'est raté là. L'intervention de Chartrand repousse les Lorrains derrière leur filet. C'est Cyr qui va aller chercher cette rondelle. Tente une passe, c'est bloqué par Gagnon, mais finalement Cyr revient à Jean derrière lui. Jean, longue passe. Il voulait trouver Kevin André Blanchette qui tentait de s'échapper, mais c'est raté. Bember, la passe, c'est le tir de Gagnon qui est raté. Ensuite, dégagement tenté de Mika Jean, c'est également raté. Finalement, Mathieu Cyr a de l'espace. La passe pour Blanchette, c'est raté, c'est repris par Roulet. Son dégagement, à son tour, intercepté par un adversaire. Voilà Beaupré maintenant, en entrée de zone, tente une feinte. La rondelle était dans ses patins, il n'a pu déjouer le défenseur des Patriotes. Passe au centre et c'est Gagnon avec la rondelle. Gagnon repousse plus loin, c'est Dulude avec la rondelle. Passe devant le filet, bloqué par Chicoine. Bon travail de sa part. C'est toujours Dulude avec la rondelle. Laisse glisser jusque derrière le filet. Et c'est repris par Trépanier. Morinbert fait dévier au centre, mais c'est raté. Dulude, son tir, ça rate la cible. Le tir de Gagnon, ensuite, également rate la cible. Et ça rejoint O'Brien à la ligne bleue. Passe au centre, ça ne trouve personne. Finalement, ça retrouve la liberté en fil à la ligne bleue. Un tir de Dulude, c'est dévié devant le filet et le but! Et c'est Carruthers qui a fait dévier ce tir dans la partie supérieure. Et ça l'a surpris Gauthier. Et à la base, c'était un tir faible de Dulude, mais cette redirection devant le filet a trompé la vigilance de Gauthier. C'est 1-0 pour les Patriotes. C'est Lagacé-Tessier. Le dégagement dévié par Auger. Et c'est Lamarche qui va aller jouer cette rondelle. Morinbert intercepte.
Le voici avec la rondelle. Passe dans un filet pour Auger. Le tir et le but! Réplique immédiate des lauréats. Et c'est 1-1. Grâce à un tir parfait de Auger. Et on entend les lauréats célébrer. Ça va faire du bien ce but. Et immédiatement, on revient à la case de départ. Quel travail des 5 joueurs des lauréats sur la glace pour immédiatement répliquer aux Patriotes. Un but très important en première période, c'est 1-1. Et c'est Carruthers cette fois-ci qui remporte la mise en jeu, c'est lui avec la rondelle. Les Patriotes qui tentent de s'organiser, la déviation est ratée, on revient à Breton. Breton, sa passe est ratée, il doit revenir sur ses pas. Belle feinte aux dépens de Lefebvre ici. Et remet ensuite à Guénette. Guénette déjoue un joueur. Entre dans la zone des Patriotes et travaille du revers maintenant. Passe devant le filet. C'est Guénette qui reprend finalement. Rondelle libre en zone neutre. On tente de rejeter chez les Patriotes. Ça a touché le patin de HB. En territoire offensif, il y a donc eu hors-jeu. On va donc reprendre en territoire neutre. Mise en jeu remportée par Guénette, mais immédiatement, ce sont les Patriotes qui sautent sur le disque en entrée de zone. Et bon travail de Verville à la ligne bleue pour reprendre le disque et sortir la rondelle du territoire défensif. C'est HB avec la rondelle. HB rejette dans le coin pour Chicoine. Chicoine protège sa rondelle, tente de trouver un coéquipier. C'est toujours lui là qui se bat dans le coin pour la rondelle. Il est aidé par HB. Finalement, ça revient à Verville. Verville, le long de la rampe pour HB. HB remet derrière à Verville. Bon travail des lauréats là, en fond de territoire. Finalement, c'est Oliveri qui remet derrière à son coéquipier. Longue passe pour Oliveri. Et voici les Patriotes maintenant en entrée de zone. Le tir bloqué par Rousseau. Bon travail là. Et c'est HB qui reprend. HB, la passe au centre, c'est pour Ouellet. Et Ouellet doit faire vite là. Réussit le dégagement, mais celui-ci sera refusé. Et on va donc retourner dans le territoire des lauréats avec 11 minutes et 7 secondes à faire à cette première période. Et voici un tir immédiatement après la mise au jeu. Là, les joueurs se cherchaient cette rondelle, en fait, là, suite à la mise en jeu. C'est Cunningham qui reprend dans le coin. Gêné par Chicoine, ça revient finalement. On se bat toujours pour la rondelle. HB est le premier sur le disque et ça va à Chicoine ensuite qui accélère. Chicoine tente une passe au centre, mais c'est raté. C'est repris par Cunningham. Cunningham contourne Rhodes. Le tir, c'est bloqué par Gauthier. Et c'est Cyr là, qui doit faire vite. Tente une passe au centre, c'est raté. Et la rondelle libre, ça revient à Latour finalement. Latour passe au centre, redirigé par Steve Valletta. Mais bel arrêt de Gauthier là, et le dégagement est réussi du côté des lauréats. Voici Latour maintenant. Latour, la feinte, il est gêné par Rhodes, mais ça revient à O'Brien à la ligne bleue. O'Brien laisse derrière un tir de la ligne bleue, c'est bloqué par Gauthier. Qu'on va au centre, pardon, là, c'était pour Ouellet, mais c'est raté. Et c'est repris par Cyr maintenant, derrière son filet. Longue passe surélevée pour Cédric Kovacs-Bellil, mais c'est raté. Et ça se transforme en dégagement refusé. Mise en jeu remportée par Rhodes. C'est Chartrand qui remet derrière. Et bon travail de Ouellet qui force les Patriotes à retraiter du territoire des lauréats. C'est Cyr avec le disque. Passe pour Rhodes qui réussit sa feinte. Longue passe pour Blanchette. Mais Blanchette ne peut maîtriser cette rondelle. Et c'est O'Brien qui
laisse derrière. Et voici les Patriotes maintenant en contre-attaque. Avec de la vitesse, c'est la Liberté qui effectue le dégagement. C'est repris par Mika Jean, mais il est gêné par Gagnon. Gagnon devant le filet pour Chartrand. Le tir, ça l'a été dévié. Mais Gauthier réussit l'arrêt. Alors, on va reprendre à la gauche de Gauthier. Mise à jeu rapportée par Gagnon. C'est Dulut qui remet derrière, mais il ne trouve aucun défenseur. Et c'est Beaupré là, qui va aller mettre de la pression sur la Liberté. Et le dégagement des Patriotes, finalement, ça sera en zone neutre. Et c'est un 2 contre 1. C'est Dulut. Avec patience, remet devant le filet, mais c'est Chartrand qui a raté le tir. Les Patriotes qui menacent, c'est Gagnon, la passe pour Chartrand, gêné par Breton là, dans le coin, c'est Dulut qui vient l'aider. Et bon travail des Lauréens, on réussit à sortir la rondelle du territoire, c'est Beaupré maintenant, sur le flanc droit, Beaupré, son tir s'est bloqué, et ça revient finalement là, aux Patriotes en contre-attaque. La passe devant le filet, c'est raté, c'était pour Oliveri, et on revient ensuite à Xavier Kovacs-Bellil. Tente une feinte, mais c'est raté. Le dégagement ensuite, ça profite à Carruthers, mais sa passe est bloquée par Rousseau. Ensuite, c'est Blanchette, la passe pour Trépanier. Trépanier a tenté de contourner Warren, mais c'est raté. Il est aidé par Morin-Hébert. Finalement, les Patriotes réussissent à quitter leur territoire. Cossette, sa passe, c'est raté. Et ça va revenir à Warren dans le territoire des Patriotes immédiatement qui... va faire un dégagement. En fait, ça revient à Auger. Chiquan laisse pour Rousseau. Le long de la rampe, c'est pour Trépanier qui se contente de faire dévier jusque derrière le filet de la marche. Ben, bon jeu de Chiquan qui intercepte une passe à la ligne bleue. Passe à Morin-Hébert et son tir est bloqué par la marche. Le retour. Rondelle devant le filet libre. Finalement, c'était Auger qui aurait pu marquer son deuxième, mais c'est raté. Ça revient à Chiquan à la ligne bleue. Un tir, c'est bloqué devant le filet. Et c'est Lefebvre qui reprend. Sa passe, c'est bloqué, c'est repris par Morin-Hébert. Morin-Hébert remet à Auger. Auger, son dégagement, ça l'a frappé l'officiel et ça profite en fait à Guénette, là. Guénette, derrière le filet, passe pour HB. Laisse pour Jean, son tir, ça rate la cible. Ça revient à Cyr. La passe à Verville qui contrôle du patin. Mais Verville n'a pu contrôler la rondelle et ça revient à Cyr en zone neutre. Mathis Cyr laisse pour Guénette. Guénette tente un dégagement, mais c'est bloqué. Et on revient en zone neutre encore une fois. C'est Jean, mais une bévue de Mika Jean, ça profite aux Patriotes. Et c'est Cossette qui a raté son tir. C'est passé bien près là, d'être 2-1 pour les Patriotes. C'est Mika Jean avec la rondelle. C'est Légaré qui vient lui bloquer le chemin. C'est maintenant Julieron avec la rondelle. Julieron tente une passe, ça la dévie sur une palette et la rondelle quitte la surface glacée. Et on a eu chaud là, du côté des Lauréats. Mais heureusement pour eux, le score demeure 1-1 avec 6 minutes et 16 secondes à faire à cette première période. Le jeu qui va reprendre à la gauche d'Esteban Gauthier. C'est Nathan Rhodes qui est chargé de cette mise en jeu du côté des Lauréats. Et c'est justement lui qui la gagne. La passe pour Cédric Kovacs-Bellil. Tente une passe pour Ouellet, mais c'est raté. Mais la mise en jeu à Ouellet permet à Rhodes de reprendre le contrôle. Rhodes, sa fin, c'est raté. Et la rondelle revient à la Gacitessi. La passe se rend jusqu'à Ouellet derrière le filet. Ouellet qui se fait soutirer le disque. Ça revient à Kovacs-Bellil. Plusieurs revirements consécutifs entre les deux équipes, là. Et finalement, ce sont les Patriotes qui reprennent. Gilliron passe au centre pour Burnet. Une autre passe, l'arrêt de Gauthier. On revient avec Cédric Kovacs-Bellil maintenant. En zone neutre, immédiatement un tir attrapé par la marche. On va donc reprendre le jeu là, dans le territoire des Patriotes.
Et les deux équipes vont profiter de la préfecture quelques changements. Mise en jeu remportée par Xavier Kovacs-Bellil. Mika Jean, fin de tir, remet dans le coin à Blanchet. Ça revient à Beaupré. Beaupré tente un tir, mais ça a été bloqué en défensive. La passe à Steve Aletta, qui contourne Jean. Mais bon travail de Jean qui le rattrape et réussit sa mise en échec. Et ça permet au lauréat de contre-attaquer. La passe était pour Blanchette, mais c'est raté. Beaupré réussit finalement à dégager. Les Patriotes, ils tentent de s'organiser dans leur territoire. Et bon travail de Blanchette qui force un revirement. Blanchette redirige. Et c'est Beaupré qui a repris devant le filet. Il a profité d'un manque de concentration là, du côté des Patriotes. Et Beaupré est passé bien près de surprendre tous les Patriotes, mais c'est raté. Voilà Kovacs-Bellil maintenant devant le filet. Tenter un tir, mais c'est raté. Et finalement, les Patriotes reprennent. En zone neutre, c'est Latour. Latour revient sous ses pas. Il est gêné par Blanchette. Kovacs-Bellil vient l'aider. Et c'est Bamber finalement qui dégage. C'est repris par Rousseau. Laisse derrière à Chicoine qui ensuite laisse pour Trépanier. Trépanier tente une passe pour Morinbert. Finalement, c'est Trépanier qui reprend lui-même. La passe à Auger et Warren reprend finalement et réussit sa passe pour la tour. Le dégagement des Patriotes, il ne sera pas refusé et Rousseau doit faire vite. C'est Trépanier ensuite qui reprend dans le coin. La passe pour Auger. C'est Auger et Duluth là qui vont courser pour la rondelle. C'est Auger le premier. Auger laisse derrière pour Morinbert. La passe se rend jusqu'à Chicoine. Passe transversale pour Rousseau. Rousseau, son tir, c'est bloqué en défensive, mais Trépanier reprend la rondelle. Trépanier, son tir également bloqué. Mais Chicoine reprend. Chicoine, un autre tir bloqué du côté des Patriotes. C'est maintenant Morinbert pour Auger. Auger, son tir, c'est raté. Ensuite, du revers, bloqué par la marche. Le retour et finalement, un arrêt de jeu. Et les Lorrains qui cognent à la porte en fin de première période. Bonne présence offensive. Mais pour l'instant, la marche tient bon. Et dans cette dernière séquence, il y a une pénalité. Là, c'est le numéro 88 des Patriotes, Gagnon, qui a été pénalisé. 2 minutes d'avantage numérique, donc, pour les Lauréats. C'est Blanchette. La passe dans le coin pour Beaupré. Remet devant. Le tir, c'est Trépanier. Le retour de Auger. Un autre arrêt de la marche. La rondelle dans le coin. Le dégagement des Patriotes est complété. Et Gauthier va laisser cette rondelle derrière le filet pour son défenseur, Cyr. La passe pour Trépanier. Trépanier pousse plus loin. C'était pour lui-même. Mais c'est Duluth qui a sauté sur cette rondelle et a réussi le dégagement. C'est Blanchette qui reprend. La passe pour Trépanier. Ensuite pour Cyr. Cyr pousse plus loin. C'est lui-même qui va aller chercher cette rondelle dans le coin. Cyr passe pour Trépanier. Passe ensuite à Blanchette. On revient à Cyr dans le coin. Cyr pivot. À Blanchette. Tire sur réception. Bloqué en défensive par Chartrand. Dégagement ensuite des Patriotes. Et il ne reste plus que 50 secondes à l'avantage numérique des Lauréats. Et encore une fois, Gauthier qui laisse pour Cyr. La passe pour Rhodes. Rhodes pousse plus loin pour Xavier Kovacs-Bellil, aidé par Ouellet. Finalement, les Patriotes vont réussir un autre dégagement. Et c'est Jean maintenant qui doit faire vite avec Gilles Héron qui menaçait.
Lucas Jean lobe le disque derrière le filet de la marche. Dégagement tenté des Patriotes. Et encore une fois, c'est réussi. Il ne reste plus que 10 secondes maintenant à la pénalité de Gagnon. Immédiatement, long jeu pour Ouellet. Ouellet laisse pour Rhodes. La passe devant le filet. C'était pour Xavier Kovacs-Bellil qui n'a pas pu dévier la rondelle. Et bon travail de l'agacité ici au dépens de Carruthers. C'est Kovacs-Bellil qui reprend la passe à Rhodes. Rhodes a tenté une passe, mais c'est raté. C'est maintenant Gagnon. La passe dans le coin. Ça revient devant le filet. Ça la dévie sur un pâté. Gauthier a réussi l'arrêt là sur la séquence. Soutane une passe devant le filet, ça l'a dévié sur un patin d'un des défenseurs des lauréats et Gauthier, une chance qu'il était prêt. Plus qu'une minute et 4 secondes à faire à la première période. On reprend chez les lauréats. Mise en jeu remporté par Trépanier. Et c'est Rousseau immédiatement tente un dégagement, mais Bember intercepte. La rondelle toutefois réussit à quitter le territoire, mais immédiatement les Patriotes refoulent les lauréats dans leur territoire. Rousseau, la passe pour Breton, c'est ensuite Auger qui dégage. Bon travail de Morin-Hébert qui conserve le disque dans le territoire des Patriotes, c'est lui avec la rondelle. Morin-Hébert passe devant le filet et c'est Trépanier là, qui est insistant devant le filet, mais il a été incapable de battre le gardien des Patriotes, Samuel Lamarche. Mise en jeu remportée par Trépanier, c'est Auger qui remet à Morin-Hébert, son tir est dévié. Sur le filet protecteur, on va donc reprendre la mise en jeu en territoire offensif. Et cette fois-ci, ce sont les Patriotes qui reprennent. Civaletta, la passe au centre. C'est Rousseau finalement qui est le premier sur la rondelle. La passe au centre, c'est pour la tour, interceptée par Morin-Hébert. Morin-Hébert remet pour Auger. C'est Oliveri qui est venu gêner là, le numéro 3 des lauréats. La tour laisse derrière à Oliveri. C'est la tour qui reprend. Et ensuite le dégagement. Plus que 7 secondes à faire. Breton remet derrière pour Rousseau. Et c'est ainsi que va se terminer cette première période. La marque est de 1 à 1. Après 20 minutes de jeu. Je vous rappelle, c'est Jacob Auger qui a marqué le but des lauréats. Immédiatement après celui des Patriotes, on va donc s'arrêter pour une courte pause et on sera de retour pour le début de la deuxième période. À plus.
Alors voilà, on est prêt pour le début de la deuxième période. Et c'est Xavier Kovacs-Bellel qui rapporte cette première mise en jeu, mais immédiatement Dulude dégage chez les Lauréats. Jean la passe pour Beaupré. Il réussit à conserver le 10. Voici Beaupré sur le flanc gauche. Son tir, ça rate la cible. C'est remis dans le coin à Beaupré, devant le filet. Finalement, c'est Dulude qui intercepte. Longue passe de Dulude, interceptée par Cyr, qui repousse plus loin. Et c'est Beaupré avec la rondelle. Beaupré, le tir, ça frappe. Le masque protecteur de la marche. Beaupré revient devant le filet. Kovacs-Bellel ensuite tente sa chance, mais c'est raté. Un tir de Blanchette et le but! Kevin André Blanchette! Un lancer frappé qui est sorti de nulle part! Mais surtout qui était dans la partie supérieure! Et Samuel Lamar. Et on se chamaille un peu devant le filet. Finalement, ça se calme un peu. Et les Lauréats, clairement, sont prêts pour ce début de deuxième période. En 50 secondes, déjà plusieurs bonnes chances de marquer. Au centre, c'est Rose qui a été chassé du cercle des mises en jeu. Et c'est Cédric Kovacs-Bellel qui vient prendre sa place et qui gagne la mise en jeu. Le tir immédiatement de Breton, c'est raté, ça revient à la Gacé Tessier. Devant, c'est pour Rhodes, c'est raté, ça revient à la cassette ici. Un autre tir bloqué par la marche. C'est Kovacs-Bellel le premier sur la rondelle. Passe dans le coin, c'est Ouellet, mais la rondelle bondit par-dessus sa palette. C'est Latour dans le coin, gêné par Ouellet. Latour doit faire vite. Bonne mise en échec de Ouellet, passe devant le filet, le tir sur réception de Kovacs-Bellel, c'est bloqué par le gardien des Patriotes. Et voilà Latour maintenant. En contre-attaque, repousse plus loin pour lui-même. Finalement, c'est la cassette ici qui reprend. Passe à l'aide de la bande, c'était pour Ouellet, mais c'est raté, c'est Roulet qui doit faire vite avec Rhodes qui le pourchasse. Longue passe pour Sivaletta qui laisse à la tour et ensuite passe pour Cunningham. Cunningham freine, passe derrière le filet, ça rejoint la tour. La tour rejoint par Jean. La passe ensuite, c'était pour la liberté, mais c'est raté et les Patriotes doivent retourner jusque dans leur territoire. La marche la passe derrière à O'Brien pour Lefebvre. Mais bon travail. Le tir immédiatement de OG, là, ce tour revirement. Ça l'a frappé le casque de la marche. Et c'est Morin-Hébert maintenant qui revient sur le territoire. Longue passe à Jean, ensuite à Cyr. Et Cyr est derrière son filet, profite pour calmer le jeu. La passe à Jean. Jean qui envoie ensuite à Trépanier. Trépanier pousse plus loin pour lui-même. Il est rejoint par O'Brien. Tente une passe, c'est bloqué. Finalement, Morin-Hébert reprend. Tente un tir, c'est bloqué. Et c'est Chicoine maintenant dans le coin. Renvoie de l'autre côté du territoire. Ensuite, le dégagement, c'est raté. C'est Lefebvre, passe à l'aveuglette, mais c'est raté. Ensuite, Rousseau dégage. C'est pour Verville, mais c'est raté. Oliveri, pardon, reprend. Il laisse derrière. Bon travail défensif ensuite, là. Du côté des Lauréats, on reprend, c'est Rousseau. Son dégagement, ça quitte le territoire des Lauréats, mais c'est repris immédiatement par Roulet qui dégage. Rousseau, longue passe, ça frappe un patin. Et c'est Roulet qui reprend. À son tour, va dégager. Et c'est Chicoine maintenant derrière son filet. Tente de se défaire de la pression exercée par les attaquants des Patriotes. C'est Cossette là, qui est allé gêner Chicoine. C'est Oliveri qui dégage. C'est Rousseau maintenant. Tente une passe, c'est bloqué. La passe au centre, c'est pour Julieron qui n'a pu décocher de tir. Le dégagement de Verville. C'est Guénette qui est à la pourchasse du disque. Verville reprend. La passe derrière, ça se rend jusqu'à Loïc Ashby. Ashby au centre pour Verville. Verville tente de se créer de l'espace. Rejette dans le coin, c'est Guénette. Finalement, ça se rend jusqu'à Ashby qui laisse à Guénette. Guénette renvoie devant le filet.
Et Samuel Lamarche immobilise le disque. Mise en jeu remportée du côté des Patriotes. C'est la liberté avec la rondelle. En zone neutre, le dégagement. Et la rondelle se retrouve ensuite là, derrière le filet de Gauthier. C'est Lagacé-Tessier qui échappe le disque, qui s'approfite aux Patriotes. Passe devant le filet, le tir. Et c'est bloqué par Gauthier. Une chance en or ratée par Burnet là, devant le filet. Gauthier qui réussit à protéger l'avance d'un but des lauréats. Et la mise en jeu, la rondelle en fait est restée au cercle des mises en jeu. Finalement, les lauréats réussissent le dégagement. C'est Blanchette qui a tenté de laisser derrière pour Beaupré, mais les Patriotes reprennent. C'est la liberté avec la rondelle. Laisse pour Gilieron. C'est Beaupré qui reprend ensuite en zone neutre. Voici Beaupré qui décampe. Laisse derrière à Kovacs-Bellil sortir, bloqué par Lamarche. La rondelle revient dans le filet ensuite, mais on juge qu'il a eu passe avec la main. C'est pourquoi on a entendu le sifflet de l'officiel. Et on semble indiquer que on va reprendre le jeu en zone neutre. Mise en jeu rapportée par Chartrand. Et c'est Duluth maintenant qui reprend en zone neutre. La passe pour Gagnon. Gagnon remet à Duluth dans le coin. C'est Jean qui saute sur la rondelle ensuite. La passe pour Ouellet, mais Roulet lui a bloqué le chemin. Passe au centre, intercepté par les lauréats. C'est Rhodes qui a remis à Ouellet, ensuite pour Cédric Kovacs-Bellil. C'est Roulet ensuite qui lui soutire le disque. Remet au centre à Gagnon. Gagnon est accompagné de Duluth à sa gauche. Le tir de Gagnon, c'est bloqué par Gauthier, qui étouffe la menace. Bon, voilà, on est prêt à reprendre le jeu. L'officiel qui s'adressait à l'entraîneur-chef des lauréats, Gabriel Doyon. Mise en jeu remportée par Nathan Rhodes. Et c'est lui qui va tenter le dégagement, mais c'est intercepté par Oliveri. Oliveri, sa passe, rejoint Stivaletta dans le coin. Stivaletta rejoint par Cyr, mais c'est Cunningham qui reprend la passe à Oliveri. Oliveri, devant le filet, arrête Gauthier. Et la rondelle est maintenant dans le coin. C'est serré avec la rondelle, tendance de dégagement, mais ça manque de force. Finalement, bon travail de Ouellet pour reprendre la rondelle. La passe pour Kovacs-Bellil, là de la vitesse. Du revers, le tir bloqué par Lamarche. Rondelle libre toujours, le tir de Rhodes. Ensuite, c'est bloqué en défensive. Bonne contre-attaque des lauréats sur la séquence. Mais finalement, les Patriotes ont un peu de temps pour respirer. Mais bon échec avant de Morin-Hébert. Force un revirement, Auger, le tir. Et ça l'a touché à la mythe. De la marche, c'est Morin-Hébert dans le coin, a tenté une passe devant le filet, mais c'est raté. Et c'est Cunningham qui reprend. Cunningham tente de contourner Lagacé-Tessier qui le rejoint avec une mise en échec. C'est ensuite Trépanier, remet à Auger. Auger est avec Morin-Hébert à sa gauche. Le tir de Auger, c'est raté.
Breton du patin repousse plus loin. Et c'est la liberté avec la rondelle maintenant. La liberté, la passe, c'est plus loin pour Roulet. Et Roulet va se contenter d'un dégagement. Et c'est Gauthier. Gauthier, sa passe, c'est intercepté par Roulet. Et finalement, c'est Auger qui reprend. Auger rejoint par Chartrand qui tente une passe dans le filet, bloqué par Breton. Auger intercepte une passe, mais c'est repris par Gagnon. Gagnon le long de la ligne bleue. Ensuite, un tir bloqué par Trépanier. Morinbert tente le dégagement, c'est bloqué. Auger a également raté son dégagement. Chartrand tente une passe, c'est raté. Et voici Auger maintenant le long de la rampe. Le bleu 10 en zone neutre. Et c'est Trépanier qui reprend maintenant, mais immédiatement rejoint par O'Brien. O'Brien revoit en zone neutre. Et c'est Chartrand avec la vitesse. La rondelle est projetée ensuite en zone neutre. Et c'est Gagnon ensuite. Passe devant. Rondelle libre, bloquée par Gauthier. Et voilà enfin un arrêt de jeu là, qui va nous permettre de respirer un peu. Avec 12 minutes et 2 secondes en fait à faire à la période médiane. Les lauréats qui ont l'avance. 2 à 1 grâce au but de Kevin-André Blanchette en tout début de période. Alors qu'on va reprendre le jeu à la droite du gardien des lauréats, Esteban Gauthier. Mise en jeu remportée par Caruthers et ça revient ensuite en défensive, mais la rondelle quitte le territoire des lauréats. Bember immédiatement projette le disque derrière le filet. C'est intercepté ensuite devant le filet. On réussit à remettre à Verville qui va se contenter de diriger la rondelle hors du territoire. C'est l'agacité ici maintenant avec la rondelle. Laisse glisser plus loin, c'est pour Gannett. Bember rejoint la rondelle en premier. Son dégagement est bloqué par l'agacité Tessier. Remet ensuite à Verville. Verville tente une passe, mais il fait en l'air. Remet derrière à l'agacité Tessier. Le tir, c'est bloqué en défensive, mais c'est repris par Verville. Bon travail. Passe au centre, c'est Jean à Ashby. Ashby son tir, c'est bloqué par la marche. Rondelle toujours libre dans l'enclave. Le tir de Gannett, c'est bloqué. Excellente séquence offensive pour les lauréats. Mais on ne peut marquer. C'est Bember, tente un dégagement. Et l'agacité ici a réussi à partiellement bloquer, mais c'est repris par Cossette. Cossette, le tir, c'est raté. Et c'est lui qui va aller chercher la rondelle ensuite. Il est forcé de quitter le territoire, sous pression là, par Ashby. Carothers passe pour Lefebvre et il y a eu hors-jeu sur la séquence. Et c'est Verville et Lefebvre qui ont quelques mots à s'échanger dans le coin. Est-ce que les officiels vont sévir? Et on semble indiquer que Kevin Verville sera puni. Et ça va donner une bonne chance aux Patriotes pour revenir dans le match. Donc, c'est 2 minutes d'avantage numérique pour les Patriotes. Mise en jeu remportée par Cunningham, mais le disque glisse jusque dans le territoire des Patriotes. Et c'est Morinbert qui se montre agressif, là, applique de la pression sur la tour, mais finalement se résigne à laisser de l'espace aux Patriotes. C'est la tour avec la rondelle, une feinte aux dépens de Kovas Belil et il laisse derrière. C'est Gagnon avec la rondelle. Gagnon fait glisser le long de la rampe pour Chartrand. Il laisse derrière pour la tour et ensuite remet à Gagnon. De retour à la tour. À Chartrand, son tir bloqué par Gauthier. Qui n'offre aucun retour. La rondelle est toujours libre. Finalement, ça rejoint la tour à la ligne bleue
La passe à Chartrand. Passe en bas pour Gagnon, mais son tir est bloqué. Gagnon à la tour. Il remet ensuite à Gagnon, on revient à Chartrand. Chartrand s'avance, revient sur ses pas. Il revient à la tour ensuite. La tour, une feinte. Le tir s'arrête la cible et c'est Gagnon qui reprend ensuite le long de la rampe. Passe derrière pour la tour. La tour, un tir bloqué par Gauthier. Et le dégagement d'Ajbi qui est réussi. Ce sont les Patriotes qui vont tenter de relancer. C'est Dulude. Laisse derrière à Gagnon. Le tir bloqué par Gauthier qui force l'arrêt de jeu. Plus que 38 secondes à faire à la pénalité de Kevin Verville. Alors, au cercle des mises en jeu, c'est Carruthers qui va affronter Cédric Kovacs-Bellil. Mise en jeu remportée par Carruthers. Et c'est Olivieri avec la rondelle. Son tir. Ça l'a frappé Sivaletta là devant le filet. Carruthers tente une passe. Ça revient à lui le long de la rampe. Travail aux dépens de Kovacs-Bellil. Finalement, Cyr reprend grâce à l'effort de Kovacs-Bellil. Et Cyr qui tente d'écouler du temps le long de la rampe. Finalement, la rondelle ressort. On revient avec Olivieri à la ligne bleue. Plus que 10 secondes à la pénalité. Le tir d'Olivieri, c'est raté. C'est Carruthers maintenant avec la rondelle. Repousse plus loin pour Sivaletta. La passe est interceptée par Kovacs-Bellil qui repousse plus loin à l'aide de la rampe. Et c'est Morinbert avec de la vitesse. Morinbert, son tir, c'est bloqué par Olivieri. On joue maintenant à égalité numérique. Kovacs-Bellil tente une passe, mais c'est raté. C'est repris par Blanchet toutefois. Blanchette dans le coin, contourne le filet. C'est toujours Kevin André Blanchette avec la rondelle dans le coin. Tente de laisser pour Kovacs-Bellil qui tente une passe devant le filet, mais c'est raté. C'est repris par Cossette maintenant. Sur le flanc gauche, mise en échec de la Gassé-Tessier qui permet à Mika Jean ensuite de dégager. C'est Beaupré. Contourne O'Brien. Beaupré a de la vitesse. Coupe au filet. Blanchette devant le filet et le but! Kevin André Blanchette saute sur une rondelle libre devant le filet. Et c'est 3-1 pour les Lauriers. Un deuxième dans la rencontre pour Blanchette. Et un septième depuis le début de la saison. Pour le numéro 11 des Lauriers. Et quel travail d'Olivier Beaupré sur la séquence. Qui a réussi à contourner O'Brien. Et ensuite, à couper au centre là tout juste. Devant le filet. Et Blanchette était prêt. Réussit à placer cette rondelle dans le filet. Et voilà que l'avance de Lauriers est maintenant doublée. C'est 3-1. Alors que le jeu reprend la rondelle et dans le territoire des Lauriers. Le tir d'O'Brien dévié par Gauthier. Et on va reprendre le jeu chez les Lauriers. C'est Breton sur la mise en jeu qui tente un dégagement. C'est raté, mais finalement, la rondelle réussit à quitter le territoire là, suite à l'effort des attaquants des Lauriers. Et Beaupré sera chassé là sur cette séquence. Donc, immédiatement après le but des Lauriers, ceux-ci vont devoir se défendre à 4 contre 5. On envoie Gannett, Lagacé-Tessier, Ashby, ainsi que Mathis Cyr. Alors qu'il reste 7 minutes 45 secondes à faire à la deuxième période. Et suite à la mise en jeu, la rondelle rejoint Gauthier qui saute sur le disque et l'immobilise immédiatement. On va donc reprendre cette mise en jeu en territoire
défensif là, pour les lauréats. Et la mise en jeu, la rondelle pardon, qui reste au point de mise en jeu finalement. La rondelle rejoint la tour à la ligne bleue. Dulude la passe pour la tour. La tour remet à droite pour Gagnon. Gagnon, son tir, c'est raté. Et ça rejoint Chartrand à la tour et on revient à Gagnon. Gagnon, son tir, ça l'a dévié hors cible. Et ça rejoint Chartrand et on revient encore à la tour. La passe pour Gagnon. Son tir, c'est bloqué, ça revient à la tour. Tir passe pour Chartrand, c'est raté. Et c'est Gagnon sur le flanc droit maintenant. Gagnon s'avance. Un tir bloqué par la caisse d'essier. La rondelle bondit jusque dans le territoire des Patriotes. C'est la tour avec la rondelle. Une feinte. Il réussit à percer la défensive de l'Oréa. La fin, le tir. Et Gauthier réussit à effectuer l'arrêt. Il vient sauver là, la défensive de l'Oréa. Un autre tir de la tour bloqué par Morin-Hébert. Et c'est Chartrand maintenant. La passe pour Cunningham, c'est raté. Et c'est tenté de dégagement, mais ça a été bloqué par les Patriotes. Là. La passe pour Gagnon, c'est dévié. Finalement, Gagnon réussit à remettre à la tour. On revient à Chartrand ensuite. Chartrand profite de l'espace, tente une passe, mais c'est complètement raté. Et Morin-Hébert réussit le dégagement avec 28 secondes à faire à la pénalité d'Olivier Beaupré. Et voici maintenant la tour avec de la vitesse en zone neutre. Et laisse à droite pour Civaletta. Derrière, c'est Carruthers. La passe pour Civaletta qui n'a pu contrôler le disque. Et c'est Ouellet maintenant en entrée de zone. Ouellet la Civaletta sur le dos et Oliveri qui le gêne là, sur le côté. C'est Jean qui vient appuyer l'offensive. On joue à égalité numérique. La passe pour Rhodes le long de la rampe. Rhodes réussit à conserver la rondelle. Le tir et le but! Quel tir de Nathan Rhodes! D'un angle impossible! Il réussit à tirer par-dessus l'épaule de Samuel Lamarche et c'est 4-1! Les Lauréats là en deuxième période qui sont presque parfaits. C'est un troisième but depuis le début de la deuxième période. Et ce match qui a une nouvelle allure maintenant, c'est 4-1. Pour l'équipe de Saint-Hyacinthe. Alors voilà maintenant Mika Jean en zone neutre. Il a de la vitesse, repousse plus loin. Et c'est Légaré, mauvaise passe là. Ça l'a profité au Lauréat, c'est passé bien près d'un autre but immédiat pour Morin-Hébert cette fois-ci. C'est Julien Rond maintenant. Passe devant. Ça glisse jusque dans le coin. C'est Trépanier dans le coin. La passe à Morin-Hébert. Morin-Hébert tente une passe. C'est intercepté, mais finalement, la rondelle se retrouve en zone neutre. Voici Légaré maintenant. Ce sont les Patriotes qui attaquent. Passe au centre, intercepté par Morin-Hébert. Passe surélevée pour Auger. 2 contre 2. Auger au centre pour Trépanier. Trépanier derrière. Oh, Auger, son tir. C'est tout juste à droite du poteau. C'est Julien Rond maintenant. Bonne mise en échec de Auger qui vient le gêner. Et bon trait de Beaupré pour conserver le disque. Son dégagement, ça revient Kovas Bélil. La passe à Auger. Auger chute et rate sa passe ensuite. C'est dommage pour les Lauréats. C'est Civaletta maintenant. Valetta freine, attend ses coéquipiers, remet à Roulet. La feinte, mais Roulet perd le disque et les Lauréats réussissent le dégagement qui s'est rendu jusqu'à la marche. Immédiatement, Beaupré rejette plus loin et c'est Kovas Bélil le premier sur la rondelle. Bon travail des Lauréats. Ça revient à Beaupré au centre. Beaupré à Xavier Kovas Bélil, son tir tout juste à gauche du filet. C'est ensuite Mika Jean. Contourne le filet, travaille dans le coin, mais est rejoint là par un Patriote. Et c'est maintenant Cunningham. La passe pour Civaletta. Et bon travail de Beaupré qui lui soutire la rondelle. Et les Lauréats qui profite de temps et d'espace, mais Cyr là qui a entré en collision avec l'officiel.
Et on semble indiquer qu'il a une pénalité à retardement pour les Patriotes. C'est Blanchette, mise en échec par la Liberté. C'est Cyr avec la rondelle dans le coin. Laisse derrière pour Blanchette. La passe ensuite à Jean et finalement, c'est Gagnon qui va toucher à la rondelle. Les Patriotes seront punis pour obstruction. Et on semble pointer du doigt Cunningham. Et c'est au tour des Lorettes de profiter d'un avantage numérique maintenant. On envoie Rhodes, Ouellet, Cuevas-Bellil, Jean et Lagacé-Tessier. Et c'est la Liberté qui tente un dégagement, mais c'est raté. Deuxième tentative de Chartrand, ensuite également bloquée par les Lauréats. Et finalement, ce dégagement sera réussi. Ça se rend jusqu'à Gauthier. Gauthier passe surélevé pour Lagacé-Tessier qui réussit à contrôler la rondelle. Lagacé-Tessier, bon travail, coupe entre deux. Patriote remet à Rhodes qui laisse glisser jusqu'à Mika Jean qui doit faire vite. Voilà, Jean a réussi à conserver le disque dans le territoire des Patriotes. La passe pour Rhodes. Rhodes laisse derrière à Lagacé-Tessier qui enfin a un peu d'espace. La passe pour Rhodes. C'est dans ses patins. Rhodes revient sur ses pas. Avance, passe devant, c'est dévié par Xavier Cuevas-Bellil. C'est Ouellet qui reprend. Ouellet la passe à Jean qui remet derrière, mais il n'y avait aucun coéquipier là, qui attendait cette passe. C'est la Gacité-Tessé qui retraite dans son territoire. Alors voilà, on va en profiter pour se réorganiser du côté des Lauréats. Quelques changements. Et avec 52 secondes, c'est au tour de la deuxième vague de tenter de s'organiser chez les Patriotes. C'est Mathis Cyr avec la rondelle. La passe pour Trépanier. Trépanier repousse plus loin pour lui-même. La passe à Cyr. Derrière pour Auger. Et voilà, on est organisé. On est installé. Blanchette s'avance. Son tir, c'est bloqué par Bember. Trépanier vient des Beaupré. Finalement, le dégagement des Patriotes est réussi. Et les Lauréats avec 20 secondes ont peut-être une dernière chance d'attaquer en avantage numérique. Cyr remet pour Blanchette qui ne peut contrôler la passe. Finalement, Beaupré réussit à dégager. Et Blanchette vient mettre en échec Olivieri. Ça permet aux Lauréats de contrôler la rondelle en territoire offensif. C'est Auger. Plus que 3 secondes à la pénalité. Il va falloir faire attention à Cunningham qui sort du banc des pénalités. Blanchette la passe dans le coin pour Beaupré. À Blanchette ensuite. Passe transversale à OG, redirige pour Cyr. Cyr, son tir. Au-dessus de la barre transversale et c'est Blanchette qui s'avance. Un autre tir. OG sur le retour et le but! Jacob OG, son deuxième du match. Alors que la pénalité de Cunningham venait tout juste de prendre fin, les Lauréats ont réussi à conserver la rondelle, à continuer à attaquer. Voilà, ça porte fruit. Jacob Auger qui a sauté sur un retour et c'est 5-1. Immédiatement après la mise en jeu, c'est HB qui saute sur la rondelle. A tenté une passe pour Morin-Bert, mais c'est raté. Voilà Rorin maintenant. Plus loin pour Cossette, il ne peut contrôler la rondelle. Elle passe à Morin-Bert maintenant. Morin-Bert lobe le disque chez les Patriotes et c'est Warren avec la rondelle. On fait dévier là, jusque dans le coin. C'est Carruthers qui rejoint cette rondelle. Passe derrière et on juste il passe avec la main. Et avec 32 secondes à faire à la deuxième période, on va reprendre en territoire neutre. Mise en jeu remportée par Rhodes. Et c'est Rousseau avec de l'espace, remet à son coéquipier, c'est Breton qui lui remet ensuite. Rousseau fait circuler pour Cédric Cuevas-Bellil. La passe derrière pour Ouellet.
Ouellet a tenté une passe, c'était pour Rhodes, mais c'est intercepté par Caruthers. Gilliron remet derrière et ça, la rondelle va se retrouver dans le coin là, du territoire des Patriotes. Ouellet, la passe pour Cuevas Belil. Et c'est ainsi que se termine la deuxième période. Une excellente période pour les lauréats. 4 buts qui ont été marqués, dont 2 par Kevin-André Blanchette. Et c'est ensuite Nathan Rhodes qui a marqué du coin du territoire des Patriotes et a surpris là, Samuel Lamarche. Et enfin, Jacob Auger qui porte la marque à 5-1 en faveur des lauréats. Sur ce, on va s'arrêter pour une dernière pause et au retour, ce sera la troisième période. À plus!
Alors, on est prêt pour le début de la troisième période. Je vous le rappelle, les Lauréats qui mènent 5 à 1 face aux Patriotes. Alors, et voilà, ce sont les Patriotes qui vont avoir la rondelle en premier. Dégagement immédiat. On joue dans le coin, la passe au centre. C'était pour Chartrand, mais c'est raté. C'est la cassette ici maintenant. La passe à Beaupré. Beaupré avec la rondelle, le tir sur le retour également. Ça a été bloqué, ensuite il a raté la cible. Et voilà les Patriotes en contre-attaque maintenant. La passe derrière. Et bon travail de la cassette ici qui vient étouffer la menace. C'est Chartrand qui reprend. C'est Cuevas Belil qui rejoint la rondelle. Le dégagement, et c'est Beaupré qui va faire vite là. Repousse plus loin, mais aucun Lauréat n'était là avec lui. Voici Cunningham maintenant. Cunningham la passe à la tour qui ne peut tirer. Et c'est Blanchette maintenant. Blanchette la passe, c'était pour Beaupré, mais c'est raté. Le dégagement des Patriotes ensuite rejoint Gauthier qui laisse derrière Achiquan. La passe pour Cyr. Ensuite pour Trépanier. Et c'est Auger maintenant qui effectue l'entrée de zone. Auger la passe pour Morin-Hébert. Morin-Hébert mise en échec le long de la rampe. C'est O'Brien qui effectue la passe. Le dégagement des Patriotes, c'était pour Caruthers, mais Chiquan est le premier sur la rondelle. C'est Trépanier maintenant avec la rondelle. Trépanier, son tir, c'est bloqué. Un autre arrêté ensuite par la marche. On va donc reprendre dans le territoire des Patriotes. Mise en jeu remportée par Rhodes et ça rejoint Rousseau. La passe dans le coin. C'est Cuevas Belil là, qui a été rejoint par un joueur des Patriotes. Rousseau effectue le dégagement. Et c'est O'Brien là, qui a effectué une erreur. Ça revient toutefois, heureusement pour lui, sur sa palette. C'est Oliveri pardon, qui a effectué cette erreur. C'est Rhodes ensuite la passe derrière le filet pour Cuevas Belil. Devant le filet, c'est raté. Près de Rousseau qui étouffe la menace. La passe ensuite à Ouellet. Ouellet contourne Oliveri. Derrière le filet. Devant le filet. Le tir et le but! Et le tir de Ouellet s'est en fait transformé en passe pour Cédric Cuevas Belil. Et les Lauréats immédiatement là enlèvent tout espoir aux Patriotes. C'est 6 à 1 maintenant. Bon travail de Ouellet en entrée de zone. A contourné le défenseur, ensuite le filet. A remis la rondelle devant le filet et Cuevas Belil, sur réception, marque le sixième but des Lauréats aujourd'hui. Et encore, c'est un but en début de période pour les Lauréats. Et voilà le jeu qui reprend maintenant. Immédiatement, les Patriotes qui dégagent et ce dégagement sera refusé. La mise en jeu est remportée du côté des Patriotes, mais c'est Ajdi le premier sur la rondelle. La passe à Morin-Hébert qui est rejoint là derrière le filet. Il réussit à remettre à Guénette. La rondelle finalement ressort. La passe au centre maintenant. Et c'est Julien Rond. Tente une feinte, c'est raté, mais réussit ensuite la passe à Bember. Rondelle libre. Finalement, la rondelle rejoint. C'était Morin-Hébert et voilà maintenant Breton. Laisse pour Ashby. Ashby freine, revient sur ses pas. Tente une passe du revers, c'est réussi pour Blanchette qui rejette dans le coin. Xavier Cuevas Belil passe derrière Assir. Revient avec Cuevas Belil ensuite. Et c'est Roulet, gêné par Blanchette. Finalement, un coup de pied vient l'aider pour dégager. Et voici Julien Rond maintenant avec la rondelle. Mais il était le seul Patriote et c'est Beaupré qui reprend.
La passe à Blanchette remet ensuite à Cuevas-Bellil. Du revers, Cuevas-Bellil tente de protéger la rondelle, pardon, remet à Beaupré. Derrière le filet, devant pour Blanchette, mais la rondelle est interceptée. Voici maintenant la contre-attaque des Patriotes. Ça revient à Burnet, à la ligne bleue. Et O'Brien n'a pas été capable de conserver le disque. Et c'est Blanchette là, qui a été rapide. Il est le premier sur la rondelle. Blanchette devant le filet pour Cuevas-Bellil. Mais celui-ci n'a pas pu tirer. On revient maintenant avec Cunningham. Et ça passe, se transforme en tir. Et c'est bloqué par Gauthier. Donc, on va reprendre le jeu à la gauche d'Esteban Gauthier. Mise à jeu remportée par Trépanier. C'est Mika Jean immédiatement tente le dégagement. Intercepté à la ligne bleue par Roulet. Et on entend le sifflet de l'arbitre. C'est Gauthier qui a immobilisé le disque. Le but également avait quitté ses amarres. Et on semble éprouver quelques difficultés à replacer le filet. Et on va demander un peu d'aide technique. Et on le disait au début du match, après deux défaites consécutives à l'extérieur, les Leroux qui étaient à la recherche d'une victoire dans ce match important là, contre les Patriots, ils ont seulement un point de retard derrière les lauréats, au classement général, en fait, pardon. Et les lauréats qui se sont présentés aujourd'hui. Et l'attaque qui marche très bien, là, en fait, là, aujourd'hui. 6 buts depuis le début du match. Et on est seulement en début de troisième période. Alors, le jeu est maintenant reparti. Et c'est Morin-Hébert, là, qui à une poursuite pour la rondelle. Bon travail de Morin-Hébert. Son tir et c'est raté. Quel travail de Morin-Hébert. En échec avant. On revient avec Mika Jean. La passe à Auger. De retour à Jean. Son tir, c'est bloqué devant le filet. Et finalement, en fait, ça l'a dévié sur Morin-Hébert, on semble l'indiquer. Et c'est un 7e but pour les lauréats. Le tir de Jean a dévié sur Morin-Hébert. Et vraiment, tout feu, tout flamme, l'attaque des lauréats aujourd'hui. 7-1 maintenant. Morin-Hébert qui marque son 2e de la saison. Et ça fait maintenant un 2e match à domicile consécutif là, pour les lauréats où est-ce qu'on va marquer au moins 7 buts. Et la passe de Gagnon a dévié sur le filet protecteur. On va donc reprendre à la gauche d'Esteban Gauthier. Mise en jeu remportée par Chartrand, c'est Gagnon avec la rondelle. Gagnon, un tir, c'est bloqué par Gauthier. Un autre tir, cette fois-ci, c'était sur le flanc gauche et ça l'a raté la cible. Voici maintenant Cuevas-Bellil qui a bloqué le dégagement. C'est repris par Chartrand. Et le dégagement ensuite a été refusé. On va donc se diriger chez les Patriotes pour la mise en jeu.
Mise en jeu remportée par Rhodes. Et c'est Lagacité-Essier qui remet dans le coin pour Cuevas Belil. La passe ensuite à Breton. Breton rejette derrière le filet. C'est Chartrand qui sort sur la rondelle. Longue passe au centre pour Gagnon. Qui peut contrôler la rondelle? Rhodes remet ensuite à Ouellet qui projette le disque jusqu'au gardien des Patriotes. Qui immobilise le disque. On va donc reprendre encore une fois dans le territoire des Patriotes. Mise en jeu remportée par Guénette. Et Ashby remet à Chicoine. La passe ensuite à Rousseau. On descend pour Guénette. Au centre pour Auger. Il a de l'espace. Le tir, c'est bloqué. Et bon travail de Auger qui réussit à conserver le disque dans le territoire des Patriotes. Cossette solide mise en échec aux dépens de Guénette. Mais la rondelle est toujours libre. Guénette reprend. Devant, c'est bloqué. Et la rondelle se rend jusqu'à Rousseau à la ligne bleue. Mais Rousseau n'a pu conserver la rondelle dans le territoire des Patriotes. Malgré sa chute, il réussit à conserver le disque, repousse plus loin. Et c'est lui-même et HB qui vont aller à la poursuite du disque. Finalement, les Patriotes réussissent le dégagement. Et la rondelle se rend jusqu'à Esteban Gauthier, là, suite à une solide mise en échec de Chicoine. Et on va se chamailler un peu, là, il y a un joueur blessé sur la séquence. C'est Steve Valletta là qui semble en douleur. Et on voit là Chicoine qui vient s'excuser là à Steve Valletta. Suite à un contact sévère là. Et il y aura une pénalité sur cette séquence, mais elle sera décernée aux Patriotes. C'est donc 2 minutes d'avantage numérique pour les lauréats. On va jouer à 5 contre 4. Et on va demander à Trépanier de sortir du cercle des mises en jeu. C'est Blanchette qui va aller le remplacer. Mise en jeu remportée par Blanchette. La passe à Auger. Qui remet ensuite à Cyr. De retour à Auger. Les Lorrains qui travaillent sous pression. Passe devant pour Trépanier. Sortira tout juste, rater la cible. C'est Blanchette ensuite. Pour Cyr. Les Lorrains qui profitent un peu plus de temps et d'espace en ce moment. Auger de retour à Cyr. Cyr, son tir. C'est bloqué en défensif par Chartrand. Ensuite, le dégagement bloqué par Blanchette, mais on doit tout de même retraiter jusqu'en territoire défensif pour les Lauréats. On revient avec Blanchette. Blanchette, la passe pour Beaupré, c'est raté. Et immédiatement, bon travail de Trépanier qui vient reprendre le contrôle de la rondelle. C'est Blanchette. Et Blanchette qui prend de la vitesse en zone neutre. Tente de contourner le défenseur, c'est réussi. Réussit à conserver le disque, remet derrière à Beaupré. Bon travail de Blanchette en entrée de zone. On revient avec Cyr, passe au centre pour Trépanier. Ensuite à Auger, de retour à Cyr. Et il y a un joueur blessé là du côté des Patriotes. On joue à 5 contre 3 présentement. Et le jeu qui continue, c'est Auger. Transversal à Blanchette. Voilà, on a réussi à effectuer un changement du côté des Patriotes. C'est Auger. Passe à Cyr. Cyr, son tir, c'est dévié par Beaupré. Et la rondelle qui a frappé le filet protecteur. Et plus rien ne va là pour les Patriotes. C'est deux joueurs qui se sont blessés là depuis dans les 5 dernières minutes environ. Et voilà le jeu qui reprend. C'est Ouellet qui va chercher cette rondelle dans le coin. Il est aidé par Xavier Cuevas-Belil, pardon. Lagacité-Essier également est présent. Finalement, la rondelle ressort et ça va profiter aux Patriotes qui vont
pouvoir sortir du territoire et même potentiellement attaquer. C'est O'Brien immédiatement qui dégage et bonne mise en échec de l'agressivité ici. C'est Jean avec la rondelle alors qu'il ne reste plus que 10 secondes à la pénalité des Patriotes. Jean pousse plus loin pour Rhodes à Ouellet. À l'agressivité ici. On est maintenant à 5 contre 5. Rhodes s'avance, son tir, c'est dévié hors cible. L'agressivité ici pousse pour Cuevas Belil. Il revient derrière à Ouellet. On travaille derrière le filet. Finalement, c'est Cunningham qui reprend. La passe au centre, c'est repris par l'agressivité ici. Et c'est Rhodes maintenant. Rhodes feinte. Tente une passe, mais c'est bloqué par Cunningham. Et c'est Gagnon maintenant. Son tir bloqué par Gauthier. C'est repris par Gagnon. Ça passe pour Roulet. C'est réussi. Roulet le tir bloqué par Gauthier. Le retour est contrôlé par Cuevas Belil. Son dégagement est bloqué. Finalement, la rondelle quitte le territoire. Et c'est Cunningham avec la rondelle maintenant. Cunningham tente de contourner Jean. Ça passe. C'est raté, mais ça rejoint tout de même Gagnon finalement. Bon travail de Rhodes qui réussit la passe à Cuevas Belil. Cuevas Belil, il s'échappe. Le tir. Et c'est bloqué par Samuel Lamarche. Une bonne chance de marquer là pour Eloria. Mais disons qu'on peut se permettre d'en rater en ce moment avec une marque de 7 à 1. Alors, on va reprendre à la gauche de la marche. Mise en jeu remportée par Chartrand. C'est Gagnon qui remet à ce dernier. Chartrand coupe au centre. Son tir, ça l'a... On juge qu'il a eu un but là, en fait. Je croyais bien que ça l'a frappé le poteau au début. Mais non. L'arbitre indique que la rondelle a bel et bien là, pénétré le filet. Derrière Esteban Gauthier. Alors voilà, c'est 7 à 2 maintenant, mais ce but-là ne va pas être très menaçant pour les lauréats. C'est Chartrand là qui a coupé au centre et son tir a dévié. Là. Gauthier y a touché à ce tir, mais ça l'a frappé le poteau ensuite. Alors voilà, c'est 7 à 2 avec 10 minutes et 35 secondes à faire au match. Longue passe de Breton pour Ashby. Au centre, c'est pour Cuevas Belil. Gêné là par Warren. Ça revient à Breton le long de la rampe. Breton contrôle le filet. La passe, c'est pour Ashby. Et il y aura une pénalité sur cette séquence. C'est Warren qui sera puni là. Alors, les Lorrains qui retournent en avantage numérique. Et ils vont y retourner pour deux minutes. On envoie Cyr, Rousseau, Morin-Hébert, Auger et Trépanier sur la glace. Alors, mise en jeu remportée par les Patriotes. Oliveri laisse derrière le tir. C'est raté. C'est Trépanier qui laisse derrière à Rousseau. La passe à Morin-Hébert. Morin-Hébert au centre. Laisse ensuite à Trépanier sur la gauche qui laisse derrière à Rousseau. Le long de la rampe, c'est pour Morin-Hébert qui perd le contrôle du disque. Et ça revient à Rousseau. Qui va aller se réfugier derrière le filet. Pour se donner un peu d'espace. Voilà les Lorrains qui vont tenter de se réorganiser en territoire offensif. C'est Trépanier en entrée de zone. Laisse pour Auger. Il a Cyr sur sa droite, mais Auger n'a pu garder le contrôle de la rondelle. Il réussit à remettre ensuite à Rousseau derrière. À Morin-Hébert maintenant. Morin-Hébert, son tir, c'est bloqué en défensive. Et le dégagement qui suit, plus qu'une minute maintenant à la pénalité des Patriotes.
Cyril Lesterrer à Lagacé-Tessier. Et ce dernier va se contenter d'un dégagement. C'est pour Cuevas Belil. Finalement, la rondelle se rend jusqu'à Blanchette à la ligne bleue. La passe au centre pour Breton. Tire. Elle a été déviée là, par Cuevas Belil. Mais la marche était prête. C'est Beaupré. Il a de la vitesse. Son tir, c'est raté. Blanchette s'avance, réussit à conserver le disque. Devant le filet, c'était pour Breton, mais ça rejoint finalement Lagacé-Tessier. Fin de tir. Ensuite, un tir. Ça rate la cible également. Cuevas-Belil, la passe pour Lagacé-Tessier. Un tir sur réception de Cuevas-Belil. Ça a été bloqué à défensive. Et ensuite, un dégagement des Patriotes. Et Gauthier va laisser pour Breton. Alors voilà, on est maintenant à 5 contre 5. C'est Beaupré avec la rondelle. Beaupré pousse plus loin. C'est O'Brien qui va aller rejoindre la rondelle. Les Patriotes en contre-attaque, c'est Cunningham. La passe au centre pour Dulude. Ensuite à Lefebvre. Lefebvre au centre pour Dulude qui ne peut garder la rondelle. La passe, c'est pour Beaupré. 2 contre 1 pour les lauréats. Beaupré et Blanchette qui attaquent. Beaupré ralentit, tente une passe pour Blanchette. C'est raté. Et c'est Cunningham qui a rejoint les deux attaquants des lauréats. La passe pour Lefebvre. Pour Cunningham, le tir, c'est bloqué en défensive. La passe ensuite à Dulude. Son tir frappe la baie vitrée derrière le filet. C'est maintenant Olivieri avec la rondelle. Passe à Cunningham qui laisse pour Lefebvre. Lefebvre devant le filet, c'est dévié. Et Gauthier saute sur la rondelle pour immobiliser le disque. Alors, avec 7 minutes et 21 secondes, on va reprendre chez les lauréats. C'est Lefebvre, les erreurs à Cunningham, contourne le filet, passe devant, intercepté par Rhodes. La passe pour Cédric Cuevas-Belil maintenant. Au centre pour Rhodes. Rhodes a tenté de se frayer un chemin entre les deux défenseurs, là, mais il n'en a pas été capable. Voilà maintenant les Patriotes en contre-attaque. Sur la gauche, c'est un tir faible bloqué par Gauthier. Le rebond est contrôlé par Jean. C'est Cuevas-Belil ensuite. Et la rondelle a rejoint le banc des lauréats. C'est pourquoi on a arrêté le jeu. Et on va reprendre à la gauche d'Esteban Gauthier. Mise en jeu remportée par Nathan Rhodes qui fait glisser la rondelle avec son patin. Mais immédiatement, les Patriotes reprennent la rondelle. La passe de Gagnon, toutefois, est ratée. La rondelle qui a été déviée au banc là, des Patriotes. On reprend cette fois-ci à la droite de Gauthier dans le territoire des lauréats. C'est Chartrand qui est le premier sur la rondelle suite à la mise en jeu. La passe, c'est raté. C'est Beaupré qui remet à Ashby. On attaque en surnombre. Ashby sur la gauche. Passe devant. C'était pour Beaupré, mais c'est raté. Lagacé-Tessier remet dans le coin. C'était pour Beaupré, mais c'est raté. Revirement en zone offensive. Toutefois, là, c'est Guénette qui reprend. Dans le coin. C'est pour Ashby. Dans le filet pour Beaupré. Et son tir a été bloqué par la marche. Minutes et 10 secondes maintenant, reste à faire au match. Je vous rappelle, la marque est de 7 à 2 en faveur des lauréats. Et on va demander de remplacer le centre. Du côté des lauréats, c'est Beaupré qui va être chargé de la mise en jeu. Et c'est celui-ci qui remporte la mise en jeu.
Breton remet. C'est ensuite pour Gainette au centre, c'est raté. Burnet la passe au centre pour la liberté, mais il y a eu hors-jeu. Et on va reprendre donc en zone neutre. Mise en jeu remportée par Gainette. La guest est ici immédiatement pour Ashby. Longue passe pour Beaupré, mais c'est intercepté en défensive par la liberté. C'est Burnet avec la rondelle maintenant. Tente une feinte, c'est raté. Et Lagacitessi vient chercher la rondelle libre dans l'enclave. Le dégagement des Patriotes se rend jusqu'à Gauthier, qui laisse pour Gainette. La passe, c'est pour Ashby. Et ça revient à Breton. Breton tente de se défaire de la pression de Burnet. C'est réussi, remet à Lagacitessi. Ensuite à Beaupré. C'est intercepté par les Patriotes et le tir est bloqué par Gauthier. Message remporté par Trépanier. C'est Dulot qui lui souffle la rondelle finalement. Chico en intercepte derrière le filet. Tente de remettre pour Trépanier. Repousse plus loin finalement pour Auger qui laisse derrière à Trépanier. C'est intercepté par les Patriotes. Longue passe et on rejoint Cunningham au centre. Cunningham repousse plus loin pour lui-même. Revient sous ses pas, pardon. Il travaille du revers. Remet à Roulet. Roulet dans le coin, c'est pour Dulude. La passe au centre interceptée par Morin-Hébert. Et à l'aide de la bande, remet à Auger. Passe au centre. Belle passe pour Trépanier qui s'échappe. Trépanier le tire et c'est l'arrêt de Samuel Lamarche. Excellente contre-attaque de la part des Lauréats. C'est Cyr qui reprend dans son territoire. La passe à Cuevas-Bélisle. Sur réception, remet à Beaupré. Beaupré sur le flanc gauche. Il a blanchi devant le filet. La passe, c'est raté. Et on a ensuite tiré et le reste semble célébrer. Oui, il y a eu un but sur la séquence. Un but assez bizarre pour les Lauréats. Et voyons voir à qui on va créditer le but. On semble indiquer que c'est Blanchette. C'est lui qui a reçu la passe de Beaupré devant le filet. Et avec ce but, eh bien Blanchette a inscrit un tour du chapeau aujourd'hui. Son troisième de la journée. Et c'est un huitième but en 9 matchs pour lui depuis le début de la saison. Et c'est maintenant 8-2. C'est un but qui a surpris tout le monde ici au stade Louis-Philippe Gaucher. Mise en jeu remportée par Cuevas-Bélisle. C'est Jean tente une passe pour Beaupré, mais c'est raté. La passe pour Légaré. Légaré au centre. Bon travail de Cyr qui a fait dévier la passe là. Bon travail de Beaupré qui soutient la rondelle. Ah, Burnet, c'est lui justement qui tente une passe. Intercepté par Cuevas-Bélisle qui dégage derrière le filet. Le tir de Cyr ensuite, c'est bloqué par le gardien. Burnet tente un dégagement. C'est raté. Un deuxième ensuite qui lui sera réussi, mais c'est intercepté par Mathis Cyr. La passe derrière, c'est intercepté par Warren. Son tir bloqué par Gauthier. Et on se bat maintenant pour le contrôle du disque derrière le filet. C'est repris par Cyr. Et Cyr va revenir derrière le filet avec une passe pour Jean. De retour à Cyr. Et on va revenir avec Jean. Bon travail des deux défenseurs des Lauréats là, pour se créer de l'espace en territoire défensif. C'est finalement Cyr qui va faire une passe pour Rhodes. C'est raté, ça retourne à O'Brien dans son territoire. La passe d'O'Brien, c'est raté, repris par Cyr. C'est maintenant Lagacé-Tessier
Passe à Cuevas-Bellil. Du revers à tenter pour Ouellet, mais c'est raté. Et ça se transforme en dégagement refusé. Alors avec 2 minutes et 44 secondes à faire au match, on va revenir dans le territoire des lauréats. Mise en jeu remportée du côté des Patriots, c'est O'Brien. Rejet dans le coin, c'est intercepté par Lagacé-Tessier. Il est gêné par deux Patriots. Finalement, Rhodes vient l'aider et réussit un dégagement. Et c'est O'Brien qui va se rendre à la rondelle en premier. On va donc refuser ce dégagement. Et on va revenir là dans le territoire des lauréats. En jeu. Ça a été remporté là par Chartrand, mais Cuevas-Bellil a été le premier sur la rondelle. Longue passe pour Ouellet qui travaille dans le coin là pour gagner là, la possession de la rondelle. Il est aidé par Rhodes qui reprend cette rondelle. Passe devant, intercepté par Lefebvre, mais Rhodes vient là gêner les Patriots. Là, il est aidé par Ouellet et par Cuevas-Bellil pardon, ensuite. C'est lui justement qui reprend possession du disque. Derrière, c'est pour Ouellet. A tenté une passe, mais c'est raté. Ça revient à Breton. Ensuite, à Cédric Cuevas-Bellil. Tire, ça rate la cible. Et c'est Rhodes qui reprend derrière le filet. Rhodes tente un tir. Ça l'a frappé l'extérieur du poteau. Et ça revient à Rhodes. Un autre tir bloqué cette fois-ci par la marche. Le dégagement des Patriots est partiellement réussi. C'est Breton, laisse derrière, mais c'est intercepté par la tour. Et on entend le sifflet de l'arbitre. C'est qu'on a jugé qu'il y a eu hors-jeu sur la séquence. On va ainsi reprendre en territoire neutre. Alors c'est Carruthers qui a laissé derrière à Roulet pardon, qui a dégagé. C'est repris ensuite à Gagnon en zone neutre. Gagnon laisse derrière pour Cunningham, intercepté par Auger. Bon travail là du côté des Patriots pour forcer un revirement. C'est Carruthers remet à Cunningham, mais sa passe de Cunningham là est ratée. C'est lui qui reprend le disque toutefois. Tente un tir, c'est raté. Et Gauthier qui s'empresse là d'immobiliser le disque. Et avec tout juste un peu plus d'une minute à faire au match, on va reprendre chez les lauréats. Et c'est Auger qui saute sur la rondelle. C'est lui justement qui va effectuer ce dégagement. Ça se transforme en passe pour Guenette. C'est ensuite Ashby. La passe à Guenette. Guenette mise en échec par Roulet. C'est Auger qui reprend. Et la rondelle va glisser jusqu'au gardien des Patriots, la marche. C'est pourquoi il a eu l'arrêt de jeu. Là, on va reprendre dans le territoire des Patriots. Mise en jeu. Remporté par Légaré. C'est Jean qui repose dans le territoire des Patriots. Le tir de Morimbert s'est raté. Et c'est lui là qui force les Patriots à demeurer dans leur territoire. C'est Trépanier avec la rondelle. Il y aura un pénalité sur la séquence, mais les lauréats conservent le disque. C'est Jean qui s'avance. Repousse devant le filet. Ça l'a touché le gardien des Patriots. Et on entend le sifflet de l'arbitre. Il y aura un pénalité pour obstruction. Pour coup de bâton plutôt, pardon. Alors, les 24 dernières secondes de ce match vont se dérouler à 5 contre 4 en faveur des lauréats.
Bien évidemment, ces 24 secondes qui ne sont qu'une formalité là, avec une marque de 8 à 2 pour les lauréats. Immédiatement, une tentative de dégagement des Patriotes. Une deuxième, et c'est bloqué par Cyr à la ligne bleue. La passe pour Auger. Auger revient sur ses pas. La passe derrière, c'est pour Jean. Transversal à Cyr. Cyr s'avance. Son tir et le but! Alors qu'il ne restait plus que 4 secondes. Le capitaine des lauréats marque le 9e but des lauréats aujourd'hui. En avantage numérique. Les lauréats qui ont dominé cette rencontre. Et pour Cyr, c'est son premier but de la saison. Alors bien évidemment, il va se réjouir de ce petit... de ce petit bonus en fin de match, voilà! Le match est maintenant terminé, ce qui aurait été un festival offensif pour les lauréats. Eux qui ont marqué 9 buts aujourd'hui. Alors c'est une victoire très importante, les lauréats qui vont se distancer des Patriotes au classement général. Victoire convaincante à domicile. Et à noter que Kevin André Blanchette a marqué 3 buts dans la victoire. Il compte maintenant 8 buts en 9 rencontres là, depuis le début de la saison. C'est lui le meilleur marqueur des lauréats depuis le début de la saison. Et comme à l'habitude, les joueurs qui vont attendre là, tout près du banc des siens pour nommer les 3 étoiles du match. Alors sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie grandement d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Et on va se retrouver sous peu pour le prochain match des lauréats qui sera disputé contre le Boomerang d'André Laurendeau. Alors, encore une fois, merci beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de journée.